en matière de politique commune de la pêche. Et je donne la parole à Madame Thomas. Merci, Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues. Le Parlement européen exprimera demain sa position sur la proposition d'alignement du règlement contrôle des pêches avec le traité de Lisbonne. Ce règlement contrôle est le garant du respect des règles de la politique commune des pêches. Dans sa proposition, la Commission européenne reclasse les compétences conférées sous l'ancienne procédure de comitologie en les répartissant entre actes délégués et actes d'exécution. D'apparence très formelle, cette répartition mérite réflexion. En effet, si les critères de répartition de ces compétences sont établis par le traité, dans la pratique, nous sommes confrontés à une vaste zone grise qui contraint à un arbitrage politique, d'ailleurs conféré au législateur. On oublie souvent à tort que la répartition des pouvoirs institutionnels de l'Union, redéfinie à Lisbonne, est un processus en cours et que ces règlements d'alignement d'apparence technique en sont le prolongement. La proposition de la Commission tranche presque systématiquement pour des actes délégués. Et on nous dit que ces actes délégués étant sous contrôle a posteriori du Parlement, ce dernier en garde la compétence. Je vous invite, chers collègues, à la prudence, car aujourd'hui, le Parlement ne dispose ni des moyens humains, ni des procédures sérieuses pour effectuer sérieusement ce contrôle a posteriori. Sans ces deux conditions, l'esprit du traité sera dévoyé. De la même manière, nous attirons l'attention de la Commission sur l'avis que nous ont rendu les services juridiques du Parlement à notre demande. La lisbonnisation doit certes vérifier la conformité des textes au traité, mais si cette conformité concerne les articles 290 et 291, elle concerne également la charte des droits fondamentaux figurant en annexe du traité. J'en appelle à la Commission pour qu'elle confirme au Parlement, dans ses travaux futurs d'alignement, que cette vérification juridique a été faite. Pour ce qui concerne le règlement contrôle des pêches, j'ai défendu deux points. Le premier concerne le besoin d'une mise en œuvre uniforme du règlement. Ce besoin de cohérence partout en Europe m'a conduit à défendre la proposition de la Commission de privilégier les actes délégués pour que les pêcheurs de San Benedetto del Tronto, de Lochinver, de Vigo, de Baltimore, de Hull, de Skagen ou du Guilvinec n'éprouvent aucune injustice grâce à un règlement contrôle mis en œuvre uniformément. En second lieu, j'ai défendu l'idée et suivi la Commission européenne qu'il s'agissait exclusivement d'une lisbonnisation, soit d'un alignement juridique, ne devant servir de prétexte à une révision du règlement contrôle des pêches. Cette demande était d'autant plus fondée que la réforme de la politique commune des pêches impliquait une révision ultérieure du règlement contrôle. Malgré les demandes nombreuses de mes collègues donnant lieu à des amendements au fond, je m'en suis tenue, et c'est le sens du compromis, à une liste de préconisations adressées à la Commission afin qu'elle les prenne en compte dans son futur règlement contrôle. Par conséquent, Madame la Commissaire, je regrette amèrement que la Commission revienne aujourd'hui vers nous avec une proposition qui n'intègre aucune de ces demandes. En effet, la Commission nous a tout récemment communiqué sa proposition d'un texte omnibus pour adapter le contrôle à l'exigence du débarquement des rejets, ce qui est tout à fait normal, conformément à la PCP, mais sans procéder aux ajustements intelligents et cohérents du règlement contrôle. Ces ajustements pourraient à la fois prendre en compte l'ensemble de la réforme et les remarques de fond de mes collègues, souvent remontées du terrain et surtout du quotidien des pêcheurs. Au lieu de ça, nous avons une révision en tranche de salami. Aujourd'hui, le débarquement, une autre fois la récolte des données. Le contrôle est un tout qu'il ne convient pas de saucissonner. Sinon, les débats au Parlement se trouvent tronqués, a fortiori quand on nous demande de légiférer dans la précipitation. Encore une fois, le règlement contrôle, c'est le quotidien des pêcheurs. La Commission a eu le temps nécessaire pour préparer sa proposition. Cependant, et malgré cet indicible sentiment d'irrespect, je maintiendrai mes engagements envers ce compromis, sans préjuger de ce que deviendra le débat sur le contrôle. Thank you very much. And just now I would like to be... Merci beaucoup. Et je vais passer la parole à Madame le Commissaire Damanaki. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier le Parlement européen du soutien qu'il a apporté à la proposition de la Commission, qui aligne les règlements de contrôle.